Voilà, je suis là, j'arrive. J'arrive, je suis presque là. Voilà, voilà, et... Ok, je suis là. On peut commencer la présentation maintenant. Mon dieu, j'étais jusqu'au cou dans la paperasse à devoir gérer plusieurs devantures. Ça a été tout un bazar sans queue ni tête que d'essayer de faire passer la porte de sortie à ce jeu. Ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah, le trailer de lancement, en effet, oui. Donc, The Stanley Parable Ultra Deluxe est désormais disponible. Hourra. Voyons, qu'est-ce qu'on a après ça? Contexte et histoire du développement, mais qu'est-ce que... Mais j'ai pas le temps pour ça. Qui a écrit ces diapositives? Qui est-ce qui s'intéresse vraiment au développement d'un jeu? Ah, regardez. The Stanley Parable est sorti pour la première fois en 2013. Et maintenant, The Stanley Parable Ultra Deluxe est une version étendue du jeu, avec une masse impressionnante de nouveaux contenus et de nouvelles fins. Là, simple, fini. On passe à la suite. Sorti sur console. Ah oui, c'est aussi sorti sur ces consoles. Celle-là. Oui. Ok, suivant. Aperçu du nouveau contenu, mais... Elle dure combien de temps cette foutue présentation? Mes comptables sont littéralement en train de m'attendre là! Ils me font payer à l'heure, alors faut vraiment qu'on sorte ce trailer dès que possible. Bla 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 bla, il y a plein de nouveaux contenus dans le jeu, oui, ça on sait, j'ai déjà expliqué. Ah, voilà, on y est. Détails de lancement. Le jeu coûte 21€. Et pour les deux premières semaines où le jeu sera en vente, si vous possédez la version originale de The Stanley Parable sur Steam, vous pourrez avoir la nouvelle version pour 33% moins cher. Voilà. Autre chose? Remerciements spéciaux et reconnaissance, mais... Mais j'ai personne à remercier, j'ai fait tout moi-même! Éteins le projecteur. Éteins le projecteur. Voilà. Ok, c'était rigolo, mais moi, faut que je file. Achetez le jeu. Achetez-le. Achetez-le. Allez-y, achetez-le. Achetez-le pour votre grand-mère. Bye bye!